Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soirkulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo sur Fortnite Battle Royale. Donc avant de vous présenter cette petite vidéo, je vais vous parler un petit peu d'une gameplay que vous voyez là. J'ai mis un petit gameplay avec Bahamut KO. Donc vous allez voir qu'à un moment je vais distraire des types deux fois à deux reprises et il va niquer 4 types. Je vais lui offrir 4 kills, c'est sûr, vous allez voir. Et on va faire même un petit top 1. Donc voilà, grosse dédicace à Bahamut KO. C'était une petite game qu'on a fait hier, c'était assez tranquillou. Alors bien sûr, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est les 3 nouveaux articles qui vont nous mettre sur Battle Royale. Donc voilà, en mode multi. Donc nous avons 3 nouvelles armes, quoi, on peut dire ça comme ça. Donc nous aurons le C4. Qu'on va pouvoir coller n'importe où, sur n'importe quelle paroi, et qui va sûrement être très 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 efficace, j'espère, parce que quand on met des lance-grenades ou des roquettes dans un sapin, on le détruit pas en un coup, ou quand on le met dans une paroi d'une maison, ça le détruit pas d'un coup. J'espère que le C4 va l'exploser, genre je le mets sur une paroi d'une maison, j'espère que le C4 va l'exploser cette putain de paroi, parce que mettre 2 roquettes pour exploser une paroi, parfois 3, c'est un petit peu abusé. Alors ensuite, il y aura les grenades à gaz. Donc les grenades à gaz, je trouve que c'est bien. Ils devraient carrément les remplacer par... remplacer les fumigènes par les grenades à gaz. Moi, les fumigènes, je m'en sers jamais. Après, c'est clair que quelqu'un s'en est déjà servi avec moi et m'a réanimé dans les fumigènes. J'étais super content. Hein. Là, à ce moment-là, c'était vraiment utile. Mais bon, voilà, je trouve que c'est pas très, très utile aussi, non? Alors, les grenades à gaz, ce serait à peu près pareil, hein, parce que si vous lancez une grenade à gaz sur votre allié, je pense qu'il va pas mourir, hein. Logiquement, on peut pas se tuer entre alliés, donc ça pourrait servir aussi de grenades fumigènes. C'est pour ça que je trouve qu'il pourrait les enlever, les fumigènes, mais mettre plus de grenades à gaz. Alors, ce qui est bien, c'est que cette grenade, elle va nous faire des dégâts aux ennemis. Donc je sais pas si ça va être 10 par 10, 5 par 5 ou 1 par 1, mais j'espère que ce sera pas 10 par 10, j'espère que ce sera 5 par 1. Vous avez vu, j'ai cassé la paroi, il a défoncé tout le monde aux roquettes, au KLM. Alors je sais pas si je vous ai dit, avec le C4, vous allez pouvoir bien sûr le déclencher avec une touche, je sais pas ce sera laquelle, mais on va pouvoir le déclencher avec une touche spéciale. Et on va pouvoir aussi lui tirer dessus comme dans tous les jeux d'FPS, pour le faire exploser. Alors voilà. Alors le troisième article, c'est le lance-grenade, mais en lanceur d'œuf. Tout simplement parce que le mois prochain, c'est Pâques, et à l'occasion de Pâques, ils nous ont fait un lance-grenade à cette image. Donc voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Les potos, allez, ciao. Plus. Yummy, bruh.